Des erreurs, on en fait tous. Débutant ou confirmé, hésitant ou expérimenté, nul n'est à l'abri de se tromper. Même si chez les débutants, cette tendance est beaucoup plus marquée, évidemment. Toutes les décisions prises sur le chemin ont leurs conséquences, bonnes comme mauvaises. Pour ma part, une simple envie de petit déjeuner à mi-parcours pour finir le trajet par national afin d'économiser le péage a constitué ma toute première erreur de parcours. Non seulement je n'ai pas trouvé de quoi déjeuner, mais j'ai aussi perdu mon chemin. Évidemment, quand on n'est plus dans le sens de la marche, la direction recherchée sur les panneaux n'est pas orientée vers vous. Voilà comment on perd une heure bêtement. Seulement un quart d'heure de retard chez le client, coupure faite à 4h27 de volant, je m'en sors bien sur ce coup-là. Mais je dois bien avouer que j'ai eu chaud. Un trajet légèrement plus long que le précédent sur Paris, dans la région sartoise. Pour le moment, difficile d'apprécier pleinement le paysage. Espérons que le retour m'offre une vue lumineuse et dégagée. Pendant le déchargement, le temps se gâte. Ça n'augure rien de bon. Pressentiment hélas confirmé une demi-heure plus tard. J'avais déjà roulé sous la pluie, mais pas sous une telle intensité. Mais j'ai un peu de poids derrière moi, donc ça ne m'inquiète pas. La première vraie grosse frayeur que je me suis faite, c'était sous ce que l'on appelle les premières pluies. En résumé, des routes bien grasses et donc certains virages assez glissants. Et c'est dans ces conditions, en prenant une sortie en légère descente, que mon ensemble a commencé à se mettre en portefeuille. Impossible de vous dire comment j'ai fait pour rattraper la situation. Je me pose encore la question à l'heure actuelle. Plusieurs glissades du même genre se sont produites, mais avec beaucoup moins d'amplitude, donc facilement rattrapable. Malheureusement, les autres frayeurs viennent des autres usagers. Entre les freinages tardifs dus à un manque d'attention, les refus de priorité dans les ronds-points, les rabattements très limites, les dépassements dangereux, les exemples seraient trop nombreux pour tous les énumérer et les expliquer au cas par cas. Chaque personne qui exerce ce métier aurait à coup sûr des centaines d'anecdotes de ce genre à vous raconter. Ça participe hélas à notre image de râleur invétéré, tout simplement parce que ça constitue un miroir où il est difficile de se regarder. Même moi, avant d'exercer ce métier, j'avais certaines mauvaises habitudes par rapport au camion, qui viennent surtout d'une méconnaissance par rapport à certaines manières de conduire un poids lourd. Le meilleur exemple est la manière d'aborder les ronds-points. Vous avez sans doute l'impression qu'on force le passage, alors qu'il nous faut garder de l'élan pour ne pas avoir à relancer le camion, ce qui fait surconsommer. D'où l'importance des clignotants.
ce qui nous permet de pouvoir anticiper beaucoup plus en amont. L'anticipation est la première règle d'or de la conduite d'un projet. La seconde à mes yeux étant la souplesse, et il en faut sur ce trajet de retour, mine de rien. Anticipation, souplesse et prudence. Telles sont les trois règles pour exercer ce métier dans les meilleures conditions possibles. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ce deuxième épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, très bientôt. Merci à Monsieur Normandie pour son petit coup de pouce, ses précieux conseils et ses chaleureux encouragements. Le lien de sa chaîne est en description. Si vous faites partie des gens qui ne le connaissent pas, je ne peux que vous conseiller d'aller vous y abonner. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez.